des nouvelles habitudes de travail aux nouveaux usages et enjeux du quotidien, du moi à l'entreprise, à nous tous sur cette planète. Découvrons maintenant, sans plus attendre, ensemble, à présent, comment le groupe EDF accompagne ses clients dans la transition énergétique avec, sous vos applaudissements s'il vous plaît, Julien Villeray, Chief Innovation Officer EDF. Applaudissements pour lui s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous demandez pourquoi un type d'EDF vient vous parler de design. Vous allez comprendre, j'espère qu'en tout cas dans les 10 prochaines minutes, je vais vous convaincre que la question du design dans l'entreprise, dans l'innovation et encore plus dans le digital, mais ça vous le savez peut-être déjà, est absolument clé pour notre avenir et en particulier pour des sujets d'inclusivité. Mais commençons par le début. Est-ce que vous connaissez, vous, beaucoup d'innovations qui fonctionnent au pétrole, au gaz, au charbon ? Évidemment, question rhétorique, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, on a beaucoup cherché. Il n'y en a pas, pourquoi ? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, l'électricité, c'est ce qui permet de faire fonctionner l'ensemble de l'innovation du monde, et surtout l'électricité bas carbone, c'est ce qui va nous permettre de continuer à innover de façon vertueuse pour l'environnement. Donc tout devient électrique, notre avenir est électrique. Je ne vous parle évidemment pas que des fermes de serveurs que vous utilisez pour miner vos bitcoins, mais je vous parle par exemple de vos voitures électriques. Vous n'avez peut-être pas encore, mais vous voyez bien que la plupart des fabricants d'automobiles aujourd'hui sont en train de préparer cette révolution du modèle, et c'est vrai pour l'ensemble de nos usages. Mais le problème, c'est ce que peut-être d'ailleurs ce que vous vous faites au quotidien, si vous travaillez dans le digital, ce que vous faites en fait c'est très complexe. Et électrifier, digitaliser, ça crée énormément de complexité pour beaucoup de gens en fait. Ne croyez pas que ça simplifie, ça complexifie. Et donc comment masquer cette complexité, comment la rendre acceptable par l'ensemble de la population, pour n'exclure personne? Eh bien, c'est justement ce que permet de faire le design. Et c'est pour ça que nous, chez EDF, on a mis le design au cœur de l'ensemble de nos innovations et de la façon dont on les raisonne. Je vous donne un exemple très simple. J'ai parlé de voiture. Vous connaissez tous cette marque. Électrifier la voiture, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et je ne parle pas là des fabricants automobiles ou des gens comme nous qui gérons, par exemple, des bornes de recharge. Je parle de nous tous, utilisateurs de voitures. On a l'habitude, depuis... j'allais dire la nuit des temps, pas vraiment, mais presque, d'aller à la pompe, il y en a partout, de mettre le tuyau dans la voiture, d'appuyer, et c'est fini. Évidemment, à la fin, je vais payer quand même avec ma carte bancaire, mais c'est à peu près tout. Si vous avez une voiture électrique aujourd'hui, en France, vous vous demandez d'abord où je la recharge, parce qu'il n'y a pas encore des stations de recharge avec des grands panneaux tout en haut, alors dans Paris, c'est un peu plus facile qu'ailleurs parfois. Mais il faut que je cherche une borne, donc il faut que je regarde sur Waze, sur mon téléphone, etc. Il faut que j'arrive à la borne. Il faut que je comprenne comment j'active la borne, parce qu'aujourd'hui, certaines bornes s'activent avec la carte X, d'autres avec la carte Y, d'autres avec la carte Z, rarement avec une carte bancaire. Ensuite, il faut que je trouve la bonne prise qui va rentrer dans le bon trou de la voiture, parce que chaque prise aujourd'hui peut être différente, il n'y a pas encore de standardisation parfaite, etc., etc., etc. Je dois faire 6, 7, 8 actions. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est extrêmement complexe. C'est très complexe pour la plupart d'entre nous. Si j'ai une Tesla, j'appuie sur un bouton sur mon écran, il m'emmène automatiquement, pas totalement automatiquement, il faut encore que je conduise pour l'instant, mais il m'emmène à la borne de recharge Tesla la plus proche. Je n'ai qu'à sortir le pistolet, le brancher sur la voiture, c'est fini. La voiture va se recharger, elle va me prévenir quand elle est rechargée sur mon téléphone, et je n'ai pas à payer, ou plutôt si, mais tout ça va se faire automatiquement dans le cycle de facturation de Tesla. Pas de carte bancaire à sortir, rien. C'est ça le design. C'est ça que ça change. Et c'est ça qui nous intéresse dans ce process. Le design, finalement, c'est ce pont entre l'abstraction de la technologie, ce qui nous paraît simple peut-être à tous dans cette salle, mais ce qui est très compliqué, et ces besoins réels, simples, de tous les jours, auxquels on a besoin de répondre. Et dit autrement, le design, c'est pas ce à quoi ça sert, c'est pas ce à quoi ça ressemble, c'est comment ça marche. Ça doit être ça, ce que ça nous apporte. C'est pour ça que chez EDF, on a une équipe de designers, une vingtaine à peu près, qui travaille sur l'ensemble des problématiques du process design. On le regarde de façon totalement transverse et on s'en sert pour se projeter dans différents scénarios, mais aussi pour produire très concrètement des innovations qui sont aujourd'hui même entre les mains de nos clients. Deux exemples que je voulais vous donner. Le premier, il est très tech, c'est la question de la robotisation de la chaîne de valeur des panneaux solaires.
Alors, pardon pour cette illustration que vous voyez derrière, elle est peut-être un peu petite, mais globalement, faire une ferme solaire, c'est à la fois pas très compliqué et pas très simple non plus, parce qu'il y a beaucoup de manutention. Les panneaux solaires, ce sont des modules très lourds, très complexes. Ça demande beaucoup de manipulation de tout un tas de personnel, avec y compris des opérations dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs, mais aussi des entretiens très fastidieux, parce que vous le savez peut-être pas, mais un panneau solaire, ça doit être nettoyé, hein, comme la vitre de votre pare-douche, très régulièrement, pour enlever la poussière pour le dessus, pour lui permettre, par exemple, d'être beaucoup plus performant en termes d'électricité. Bref, des choses qui sont assez banales, assez simples, mais très répétitives et très complexes. Et quand on regarde finalement l'ensemble du process d'entretien d'une ferme solaire, grâce au process design, grâce à la réflexion design, ça nous a permis de voir qu'avec finalement de simples robots, je dis simples parce que ce sont des robots sur étagère qui existent dans le commerce, qu'on peut acheter quand on est une entreprise, eh bien, on a pu simplifier énormément l'entretien de ces parcs solaires, évidemment créer de la productivité, mais aussi créer beaucoup d'amélioration de la sécurité pour nos salariés. C'est une approche très très simple du process design, c'est regarder le champ des possibles, pour permettre de trouver une solution qui se trouvait là être une solution de robotique, mais ça aurait pu être une solution très très différente et qui nous a permis d'améliorer ce process. Peut-être plus proche de nous et plus simplement, l'exemple de ce thermomètre papier. La précarité énergétique en France, dans le monde en général, mais en France également, c'est un sujet qui touche des milliers de personnes. Et en général, vous le savez, comme tous les sujets de précarité, ce sont des sujets de double, triple, quadruple peine. Je n'ai pas d'argent pour payer ma facture, mais en plus, je vis dans un logement mal isolé. Et en plus, je n'ai pas les armes, parfois culturelles, parfois de compréhension, pour savoir comment je peux améliorer mon sort, payer moins cher, en l'occurrence, mon énergie. Et très souvent, dans ces logements, parce que les gens ont froid, parce qu'ils sont mal isolés, les gens ont tendance à surchauffer. Et ça peut vous paraître idiot, mais c'est très facile de surchauffer son logement. C'est beaucoup moins facile de savoir quelle température il y fait, parce que ça demande d'acheter des appareils, des thermomètres, et que la plupart des gens ne le font pas. Alors on s'est posé cette question, on s'est dit finalement, puisque le meilleur moyen pour payer moins cher son électricité quand on est précaire énergétique, ou son gaz d'ailleurs, parce que ça vaut pour toutes les énergies, c'est de savoir quelle température il fait dans la pièce, et qu'évidemment cette température, je dois la mesurer à un endroit précis, hein, pas près de la fenêtre, par définition, s'il y a les mal isolés, il va faire très froid près de la fenêtre, pas dans une pièce qui me sert assez peu, mais dans mon quotidien, et comment je crée un outil très simple que je peux diffuser à des millions d'exemplaires et qui va aider les gens très concrètement à améliorer leur situation vis-à-vis de l'énergie. Eh bien, on a créé ce thermomètre. C'est un thermomètre en papier. Un thermomètre en papier qu'on a fabriqué à des millions d'exemplaires, qu'on distribue gratuitement, hein, encore aujourd'hui, à l'ensemble de nos clients précaires ou à l'ensemble de nos clients qui le demandent. Il a un coût de fabrication de quelques centimes. Comme vous le voyez, on comprend immédiatement comment il doit servir, puisqu'il s'accroche à une poignée de porte pour être justement loin des fenêtres des gens. Et il affiche sur une règle graduée très simple, avec évidemment, vous voyez des petites flèches, la température qu'il fait dans le logement. Eh bien, figurez-vous que les gens qui ont utilisé ce thermomètre dans leur maison, et comme je vous le dis, ils sont plusieurs millions, ils ont amélioré leur facture de 10 à 20%. Et je vous assure que 10 à 20% de consommation au moins par mois, pour des gens qui sont à quelques euros près, ça change leur vie. Ça, c'est typiquement quelque chose qui est permis par le design. Parce que si on était arrivé avec une approche d'ingénierie, on serait arrivé avec des thermomètres connectés hyper sophistiqués pour avoir des alertes sur son smartphone. Et en fait, à la fin, le besoin, c'est un bout de papier qu'on accroche à une poignée de porte. Et puis, du coup, ce que j'aimerais que vous reteniez dans cette approche du design, c'est que dans cette accélération, dans ce contexte d'accélération de la transition énergétique, ce sujet va être partout. Il va être partout dans toutes les entreprises, mais il va être beaucoup utilisé dans nos domaines. Et je voudrais vous montrer un tout petit exemple pour terminer, qui est finalement une innovation qui a été raisonnée aussi à travers le process design, au croisement d'un besoin du digital, le data center, le plus de data center, partout, tout le temps, on voit bien les développements de ses capacités, le besoin qu'il soit vertueux, et puis le besoin donc alimenté en énergie bas carbone, solaire en l'occurrence, et l'énergie et l'économie circulaire. Et à travers ce procédé, on a construit un nouvel outil, un nouveau process qui sera présenté en exclusivité à la COP26. Donc voilà, pour la première fois, on vous le présente ici. Et finalement, en upcyclant des vieux panneaux solaires, des anciens panneaux solaires de grandes centrales, des anciennes batteries de véhicules électriques déjà utilisées, des anciens téléphones portables avec tous les composants qu'il y a à l'intérieur, bref, on a créé ce produit qui permet d'aller alimenter en énergie solaire à moindre coût
des petits data centers, évidemment, qui deviennent par la même vertueux. Voilà, ça typiquement, c'est aussi ce que permet une approche design quand on détermine tout le process. Je vous remercie. Applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup.